Denis? Une petite fête, mon Denis? Ouais, écoute, je m'excuse pour hier soir, là. Tu sais, je voulais juste y toucher à ces culottes-là, moi. Le tissu avait l'air tellement doux, là. Hé, hey, Germain, c'est pas les culottes le problème, c'est la fille qui avait dedans. On était dans un bar, Germain. On était pas en train de magasiner du tissu. Ben oui, mais... À part de ça, la fille, elle t'avait dit que le barman, c'est son chum. Pourquoi tu penses que la bagarre a poigné après ça? J'ai quand même fait preuve de délicatesse avec elle. Hein. Quand t'as voulu sortir, la fille, j'ai ouvert la porte. Ah ben oui, t'as ouvert la porte à grand coup de tête de doorman. Oui, bravo. Ah, écoute, si on retourne, là, je te promets, je vais m'excuser. Non, on retournera pas, là, oublie ça, là. Mais ça, c'est la liste des places qu'on est barrées, là. Fini, on y va plus. Tu m'en veux, hein? Non, mais Germain, tu connais pas ta force. Puis en plus, t'as le don d'avoir le kick sur des filles qui fitent pas avec toi. Des fois, j'ai l'impression de me tenir avec King Kong, moi. Bon, ben, sors-tu seul, d'abord. Mais non, c'est pas ça, là. Ah, ouais, non, Germain, hey. C'est qui mon meilleur chum? Hein? C'est qui le gars avec qui j'ai des projets? Des projets comme l'AMG? Eh oui, l'AMG qu'on va acheter ensemble, qui va être pareil à celle qu'on avait il y a 20 ans quand on était en Californie. Ouais, mais là, les contrats, il n'y en a pas beaucoup de ce temps-là. J'aurais pas l'argent avant longtemps. Ben, écoute, ça de la misère, je te trouve un petit sideline pour t'aider. Ben, tu ferais ça, Denis? Ben oui, je ferais ça parce que j'y crois à notre projet, puis je te le dis, là, ça va se réaliser. Bon, mais ben, dans ce cas-là, parle-moi-en, OK? Parle-moi-en de comment va être notre MG. Encore? Oh, elle va être bleue, hein, Denis? Oui, elle va être bleue, pareil comme dans le temps. Ah, oh, puis elle va sentir bon, notre MG, hein, Denis? Oui, elle va sentir bon. Quitte à mettre un petit sapin après le miroir. Ah, oh, non, mais quand je parle de sentir bon, là, je parle de sentir vraiment bon. Là. Bon, mais dans ce cas-là, on mettra Lise Wattier après le miroir. Maintenant, Georges, raconte comment c'est pour nous. Ben, un jour, on va mettre ensemble tout l'argent qu'on a. Puis on aura une petite maison. Puis 1 ou 2 hectares. Puis oh, on va avoir une vache. Puis des cochons. Puis on aura des lapins. Hein? Continue, genre. Parle-moi. Non, regarde, Eric, là. Ce qu'on essaie de répéter, là, c'est la pièce des souris et des hommes. Hein? Pas un épisode de Passe-partout. Tu veux dire? Ben, je te rappelle simplement que tu joues Lenny. Puis tu dois donner l'impression d'être un retardé mental de 30 quelques années. Oui, justement. Pourquoi tu penses que je prends mon style Passe-montagne? Bon, OK, on va reprendre un peu plus loin, là. On va reprendre au moment où Georges explique à Lenny qu'il l'amène travailler à une nouvelle place et que cette fois-là, il veut pas avoir de trouble. OK? OK. Bon, mais maintenant, écoute, Lenny. Je vais donner nos cartes de travail au patron, mais tu diras pas un mot, OK? Tu vas rester là sans rien dire. Parce que s'il voit que t'es idiot, il va pas nous embaucher. Mais s'il doit travailler avant... Ça va aller. OK? T'as compris? C'est sûr, Georges, que j'ai compris. Je dirai rien. On va rester là comme ça. Bravo! Ouais? Hey, c'est très bien, ça, là. Ouais? Là, répète-les 2 ou 3 fois pour être sûr de pas l'oublier. Ouais. Je dirai rien. C'est peut-être un petit peu moins. Je dirai rien. Je dirai rien. J'dirai... Salut! Allô, Mélanie? Je te présente Eric. Ah, salut Eric. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on répète notre pièce de théâtre pour l'école. On a les 2 rôles principaux, puis en plus, je fais la mise en scène. Ah, oh, oui! C'est quoi la pièce? C'est des souris et des hommes. Des souris et des hommes. Attendez, laissez-moi deviner. Ça se passe dans un restaurant chinois, c'est ça? Germain, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui, oui. Je dirai rien. Je dirai rien. Je dirai rien. Roxane, je viens de voir à propos de ce que je t'ai dit ce matin au téléphone. Tu te souviens de Germain? Ouais, ouais. J'ai pensé, comme je te le disais, que Germain, ça serait le remplaçant idéal pour le commis de bureau qui est malade, là. Ouais, ben, j'ai pas d'objection à te faire une faveur, Denis. Ça pourrait toujours me servir. Reste la question salariale à régler. Alors, gêne-toi pas, Germain. Dis-moi ton prix, tu vas l'avoir. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu dirais de 15 $ de l'heure? Ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu serré en ce moment-là. Mais mettons 10, OK? 9 $? Ben là! Je parle à Germain. 8? Ben là, Germain réagit, quelque chose! OK, 7,50 $, mais je descends pas plus bas. Parce qu'après tout, hein, pour un patron, là, respecter la dignité de ses employés, c'est surtout pas leur donner le goût d'aller faire plus d'argent chez McDo.
Mais voyons, jamais t'es bien, tonton. Ben quoi, j'ai fait ce que j'avais dit, j'ai rien dit. Oh, c'est parce que j'ai retrouvé mon grand ami d'enfance. Et puis, ben, aujourd'hui, il vient ici parce qu'il veut voir où je travaille. Ah, oh, ben, tu me le présenteras. Tu veux que je te le présente? Ben, c'est sûr, ça me ferait plaisir. Oh, Sylvie, je suis tellement content que tu dises ça. Parce que, tu sais, Henri, il a toujours un petit peu de misère socialement. Dans le temps, là, je sais pas pourquoi, mais on aurait dit qu'il était pas accepté. Mais toi, t'as toujours été loyal? Toujours. Même si c'était pas une amitié facile. Je me souviens, au secondaire, là, les autres gars ont commencé à rire de moi parce que je me tenais encore avec lui. Mais pourquoi? À toi de me le dire. Je m'appelle Henri. Enchanté de te connaître. Mais que c'est ça? C'est lui, l'ami dont je te parlais. Ben, réponds-y, là, il vient de te parler. Jean-Louis, je respecte le fait que tu vives dans un monde parallèle, mais demande-moi pas d'y aller avec toi. Je tiens à mon équilibre mental. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu le trouves pas sympathique? Mais Jean-Louis, c'est un toutou, puis t'as 37 ans. Pis ça, j'ai pas le droit d'éprouver un peu de nostalgie. Oui, mais dans ton cas, la nostalgie, on sait pas quelle proportion ça peut prendre. Oh là, franchement, Sylvie, tu sais, pour qui tu me prends? Je vais quand même pas me remettre à dormir avec, tu sais. Mais en tout cas, pas tous les soirs. Pourquoi il se retrouve à travailler là, Georges Pilini? Ah, ben ça, c'est parce qu'ils ont été obligés de se pousser de la place où ils travaillaient avant. Le monde qui était là-bas voulait lyncher Lenny parce qu'il pensait qu'il avait agressé une fille. Puis c'était pas ça? Ben non. Il voulait juste toucher à sa robe parce que ça avait l'air doux. Tu sais, Lenny, dans le fond, là, il est aussi inoffensif que Bambi. Bambi dans le corps de Godzilla, tu me diras, là, mais Bambi quand même. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Lenny, il est encore dans le trouble en se mettant le patron à dos. Ben voyons donc. Tu peux pas être épais de même dans la vraie vie, franchement. Tiens, Sylvie, le courrier est passé, c'est pour toi. Ah, merci. Prendrais-tu un bon café, je m'en vais en faire? Mon Dieu, Germain, t'arrête pas. Si ça continue, on va s'ennuyer de toi quand l'autre commis va revenir. Ben, comprends-tu, Sylvie, l'important pour moi, c'est que Roxane ne regrette pas de m'avoir engagé. Oh, mon Dieu! Oh! Qu'est-ce qui se passe, Roxane? Oh, je pense que je me suis fait voler mon auto. C'est quoi comme auto? Une Miata. Ben, tu parles d'une coïncidence, là. Justement, sur mon heure de midi aujourd'hui, j'ai aidé un pauvre gars à partir de la sienne. Parle-moi-en pas. Le pauvre homme, là, en s'assoyant dedans, il s'est rendu compte qu'il avait perdu ses clés. Étais-tu stationné juste ici, en bas? Oui. Ben oui, mais c'est peut-être la sienne. Ben là, Sylvie, avant de le traiter de voleur, on va en savoir un peu plus, hein? C'est une 99, ta Miata? Oui. Oh? Ben oui. Avec l'intérieur en cuir noir? Oui. Immatriculé... GBX 915? Oui. Avec une vitre cassée? Non. Ah! OK. Lenny est seul dans l'écurie, puis il caresse le chiot mort. OK? Vas-y. Pourquoi tu t'es laissé tuer? Tu es pas aussi petit que les souris? Ah oui, c'est bon, ça. T'avais pas fait sauter bien fort. Maintenant, Georges me laissera peut-être pas soigner les lapins quand il saura que t'es mort. Oh non, il a pas tué le chien que Georges avait trouvé. Hey, Mélanie, on répète, là. Ben oui, mais après les souris, il a crapouté le chien, appelé SPCA quelqu'un. Fais pas ça pour mal faire. Il veut juste te caresser parce que c'est doux, mais il connaît pas sa force. Mélanie, c'est un classique de la littérature, là. La plus belle histoire d'amitié que tu peux pas imaginer. Tu vas toujours bien pas me dire que ça t'émeut pas un tout petit peu. Ben oui, c'est sûr que je suis émue, là. Mais y'a-tu quelqu'un qui va finir par y dire qu'il y a deux blenders à la place des mains, ce gros moron-là? Mais Germain, des fois, on dirait que t'as deux blenders à la place des mains. J'ai rien arrivé de grave, là. Germain, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec le toit Roxane. Je suis pas bien inquiet de toi. Ça se reproduira pas, Denis, promis.
Essaye de plus nous mettre dans le trouble. Je veux bien t'aider, mais on est rendu pas mal au bout. Je comprends ça, Denis. Là, là, t'as pas fait d'autres gaffes, au moins, là? Non, non. Inquiète-toi pas. T'es sûr? Ah, oui. Même pas une petite? Non, non. Certain? Ben, peut-être une petite minuscule affaire, mais je pense que personne va s'en apercevoir. C'est quoi, jamais? Henri! Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Henri est mort! Ben oui, mais Denis, c'était tellement doux! Bon, maintenant, on arrive à la scène cruciale. Celle où Lenny se retrouve tout seul avec la femme de Curly dans le grand, OK? Ah, oh, il va pas trouver que sa robe, ça a l'air doux, j'espère? Sa robe, non, mais ses cheveux, oui, par exemple. Moi, je dis que ça va mal finir, ça. Ça arrive des fois, la tragédie, hein? Hey, Mélanie, tu pourrais donner la réplique à Eric? Comme ça, ça va me permettre de regarder ce que ça a l'air vu de l'extérieur. Ouais, si tu veux. Hein? Je m'assois? Oui. Bon. Ben, allez-y. J'aime ça, caresser des jolies choses avec mes doigts. Les choses douces. Tout le monde est comme ça. Quand je me coiffe, des fois, je me caresse les cheveux parce qu'ils sont si soyeux. Touche-là, tu vas voir comme c'est doux. Hé, hé! Toi, chose, là, tu fais attention, hein? C'est pas un chiot mort que j'ai sa tête, c'est pour 300 pièces de rallonge, OK? Voyons donc, c'est pas dans le texte, ça me semble. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est tes cheveux. Quoi, mes cheveux? Ben... Mon lait est doux. Oh, mon mari me le dit souvent aussi. Je pourrais-tu toucher? Hein? Oh, si tu veux. Oh, ils sont vraiment doux, hein? Oh, qu'ils sont doux. Germain! Fais pas ça! Oh, oh, oh! Qu'est-ce que t'as fait là, maudite folle? J'y avais dit de faire semblant. Mais oui, mais faut bien que ça soit réaliste un peu quand même. Il est supposé te serrer assez fort pour te briser les vertèbres du cou. Je le sais. Mais quand j'ai dit crotch là, ben ça voulait dire que j'étais morte aussi. Tu fais sensible pour une morte? Ça va? Pas sûr, là? Il y a bien du sang, me semble. J'ai peur que ça soit fracturé. Bon. T'es contente, là? La pièce est dans 10 jours, puis tu viens de dévisager mon acteur principal. Qui c'est qui va jouer Lenny à cette heure? Hey! C'est toujours bien rien qu'une pièce de théâtre scolaire. Réveille un peu, Nicolas Charest. Il y a des drames plus graves que ça sur la Terre. Pense aux enfants qui meurent de faim. À la guerre. Puis au fait que je vais être obligée de passer la fin de semaine avec cette tête-là. Oh! Je vous jure, je l'ai très clairement entendu quand ça fait crouche. Rien donc, je suis tellement chanceuse. Il y a du monde qui paye bien cher chez Kiro, ça fait crouche. Non, non, je te dis, moi, je suis sûr que c'est très grave. Enfin, on va attendre qu'elle revienne de la clinique avant de savoir s'il faut capoter, OK? Hey, est-ce qu'on doit comprendre, là, que t'essaies encore de défendre ton ami après ce qu'il a fait? Voyons, il a rien fait de mal. Hey, pour un gars qui a rien fait de mal, là, il s'est sauvé vite en tabarnouche, non? Puis, oh! Sylvie! Oh, oh. C'est rien, finalement, J'ai des étourdissements, puis je suis ces anti-inflammatoires pendant 3 semaines, mais sinon, je pète le feu. Là, alors, ça, c'est trop! Bon, d'abord, il y a eu le tour à Roxane, ensuite, il y a eu Henri, et puis là, maintenant, c'est Sylvie. Je pense que l'heure de la vengeance a sonné, puis il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire! C'est pas dit? Ben, ça, c'est évident, non? Oui, mais Jean-Louis, t'es bâti sur un frame déperlant. Je pensais être encouragé pendant que toi, tu y aurais sacré une volée. Ah, mais non, je sacrerais pas une volée. Mais je peux faire pire, par exemple. OK, Roxane, je sais de quoi tu veux parler, mais ça te fait rien, j'aimerais mieux faire ça moi-même. Oh, Denis, ça va être comme le tuer. Je sais. C'est pour ça que j'aime mieux le faire moi-même. Tu peux sortir, Germain, je sais que t'es là.
fait quelque chose de pas correct, là? Ça fait rien. Tu vas m'engueuler? Ben non. Fait que c'est comme avant, là? Je veux dire, pour l'AMG aussi? Oui. Ah ben d'abord, parle-moi-en encore, Denis. Hein? Parle-moi de comment qu'elle va être, là. Elle va être bleue, hein? Oui, mais elle va être bleue. Pareil comme dans le temps. Bien sûr, mais si tu regardes par là, là, puis si tu te concentres, là, tu vas l'avoir, la MJ. Tu penses? Oui. Bien. Oh, il va sentir bon, notre char, hein, Denis? Oui, il va sentir bon. Sinon, on mettra un petit sapin après le miroir. Ah, oh, mais quand je parle de sentir bon, là, je parle de sentir vraiment bon. Regarde, on mettra un vrai sapin dans la MJ. Puis t'as décidé de poser le tronc en arrière. Puis c'est moi qui vais changer l'huile, hein, Denis? Ah oui, Germain, c'est toi qui vas changer l'huile. Oh, puis le minou, c'est siège. Ça sera pas du synthétique, hein? Ça va être doux. Mais là, ça se peut que si le minou, c'est pas un synthétique, ça se peut que ce soit pas doux tout de suite, par exemple. Hein? Comment ça? Mais ça se peut qu'il graffigne en tabarouette quand tu vas vouloir l'attaquer sur le siège. C'est pas grave, quand mon maître est assis dessus, il miaulera pas longtemps. Germain. Quoi? Tu la vois bien, la MJ? Ah oui. Germain. Quoi? T'es slacké. Mortalité dans ta famille, Jean-Louis? Non, oui. Enfin, c'est Henri. Ah oui, Henri. Oh, je te dis que c'est dur à vivre, mais au moins je pourrais dire que sa mort n'aura pas été inutile. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, t'es capable de dormir sans toutou? Oh. Non, non, je pense à son ultime geste de générosité qu'Henri a posé au-delà de la mort. Quoi donc? Le don d'organes. En effet, la rembourrure d'Henri a servi à remplir la patte arrière gauche du lapin en peluche du petit neveu de Mme Giroux, ma voisine. Jean-Louis, c'est juste un toutou, tu sais. Ben, peut-être, mais bon, je peux pas nier que ça a été une dure épreuve, tout ça. Mais heureusement, j'ai eu le soutien d'un autre de mes grands amis d'enfance que j'ai retrouvé, lui aussi. D'ailleurs, tu sais, c'est de lui que je sais tout ce que je sais de la virilité. Tout ce que tu sais de la virilité. Ah oui, c'est un grand guerrier qui est revenu du Vietnam avec une balafre qui fait froid de son courage. D'ailleurs, je l'ai amené avec moi, il voulait voir où je travaille. Non, 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 tu vas pas me dire que t'as amené. Non, non. Eh oui, G.I. Joe. Bon, ben maintenant, je sais pourquoi t'es devenu ce que t'es devenu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu m'as dit que c'était de lui que tu t'étais inspiré côté virilité. Ah oui, pourquoi? Baisse les culottes pour voir. Voyons, jamais j'oserais. Mais avouez, avouez! Mais non, pas ici, pas dans le bureau. Tiens, regarde. Il y a rien. C'est ce que je voulais dire. Ben là, c'est quoi l'affaire? Mais tu vois pas un petit point en commun entre vous deux? Ah, oh. Oh, je sais ce que tu veux dire, mais tu te trompes. Moi, j'ai pas le mot Hasbro étampé sur la fesse. Non, 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 je comprends, mon chum. Non, je suis pas déçu. Quand on s'en prendra une autre fois, y a pas de problème. Hey. C'était Germain? Ouais. Puis, comment ça va, ses affaires? Ben, les contrats commencent à rentrer, là. C'est pas le PO, là, mais au moins, il s'est occupé grâce à ton idée. D'ailleurs, je tiens à te remercier pour ça. Y a rien, là, voyons. Mais j'ai une chose que je me demande. Comment c'est que t'as pensé à Germain pour ça? Il me semble que c'est pas évident que Germain allait s'intéresser à une activité comme ça. Ben, dans ce cas-là en particulier, là, je trouvais que ça y colle à la peau, que c'était fait pour lui. À ce point-là? À ce point-là. Puis ça dépannait Nicolas. Raconte encore, Georges, comment ça se va. Ben, on aura une vache. Puis on aura peut-être aussi des cochons puis des poulets. Puis dans le champ, un carré de luzerne. Pour les lapins. Pour les lapins. Ben, c'est moi qui vais soigner les lapins, hein, Georges? C'est toi qui vas soigner les lapins.
Regarde là-bas. Par-dessus la rivière. On peut presque la voir, notre ferme. On va le faire maintenant. Hein, Georges, on va l'acheter maintenant, notre petite ferme. Eh oui, on va le faire tout de suite. Je vais le faire. On va le faire. Paul! Oh, c'est vrai, excuse! Germain, tu peux arrêter d'être mort.